El-Hussein, seul, combat héroïquement encore plusieurs heures. Personne ne semble oser lui porter le coup fatal et ainsi voir l'infâme assassinat du petit-fils chéri du prophète inscrit à son nom. Si un homme lui frappe bien la tête à en faire jaillir une fontaine de sang, El-Hussein poursuit la lutte tel un lion blessé et enragé. Le corps criblé de coups de sabre et de flèches, il attaque même le commandant de la troupe Omeyyade, Omar ibn Sa'd, qui préfère se détourner de lui et fuir le combat. Entouré d'un épais nuage de poussière, le fils de Ali virevolte et envoie d'innombrables adversaires au tapis, contraignant l'infâme Shimr ibn Dhil Jawshan, qui mène l'assaut, à s'exclamer. A-t-on jamais vu un homme qui, après avoir perdu tous les gens de sa maison, reçu tant de blessures, privé d'eau depuis si longtemps et assailli par tant de soldats, ait démontré tant de vaillance? Si El-Hussein se trouve un temps en position de faiblesse, les soldats de Damas semblent à nouveau comme tétanisés face à l'immensité du crime qu'ils s'apprêtent à commettre. Shimr s'emporte alors. « Honte à vous! Qu'est-ce qui vous empêche donc de l'assaillir? Tuez-le, que vos mères soient privées de vous !» Las des tergiversations de ces hommes, il s'élance lui-même à la tête de quelques jusqu'au boutistes à l'âme égarée. L'un d'entre eux tranche le bras d'El-Hussein, qui se relève pour répliquer mais ne peut que s'effondrer à nouveau. Un javelot transperce alors son corps meurtri de part en part, avant qu'un dernier scélérat ne vienne l'achever et le décapiter aussitôt. À 54 ans, le petit-fils du messager vient de trouver le martyr aux côtés de ses fils Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et Abdallah, de 5 de ses frères et de nombre de ses neveux et cousins. Le crime est d'autant plus ignoble qu'il s'accompagne d'humiliations et de mutilations post-mortem. Ses vêtements lui sont retirés, sa tente brûlée, son corps béni broyé par les sabots des chevaux. Impuissante devant la vision d'horreur de la tête d'El-Hussein placée sur une pique, sa sœur Zaynab s'exclame « Ô Mohammed, que le Seigneur du ciel t'accorde la paix. Voici El-Hussein au sol, les membres mutilés et voilà tes filles emprisonnées. À Allah et ma complainte. » Avant de se lancer dans un émouvant éloge funèbre, Ô croissant qui, aussitôt devenu parfaitement abouti, fut injustement éclipsé et péri, frère de mon cœur, je n'ai guère imaginé que telle serait ta destinée.